Hey yo les amis, c'est Maître Driagan et aussi bonjour à vous chers Pokéfan Kawaii. Oui, parce que je fais cette vidéo, comme vous avez dû voir dans le titre, sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, la version démo spéciale, que j'ai gagné un concours, donc on va la tester ensemble maintenant. Pardon. Alors, et pourquoi aussi j'ai dit Pokéfan Kawaii pour ceux qui osent dire qu'un il a fumé. Non, c'est parce que j'ai tiens un groupe Pokémon de quasi 600 personnes et j'en suis assez heureux. Et je suis content qu'ils me soutiennent. Alors, jouer à Ruby Omega Saphir Alpha en français. Je l'ai pas encore testé. Donc on va tester ensemble, je n'avais pas encore joué. Nous y voilà. Merci Latias, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Franchement, la scène du début est magnifique. Franchement, c'est super beau, purée. Nous sommes à Algatia. Ici, des savants s'attellent jour et nuit à percer les secrets de l'univers. J'ai reçu un appel de l'aide de la part d'un de mes amis, un professeur. Il semble que les gens peu recommandables en veuillent à ses recherches. Ne parlons pas une minute au plus. Vite, allons au centre spatial d'Orlando. Non, par contre, je vais pas pouvoir courir, hein, parce que à la base, je tiens la caméra en même temps que je joue. Et voici au centre spatial. C'est là que le professeur... Alerte! Type louche en vue! Vous venez de mettre en travers le chemin de la team Magma, hein. Inutile de le nier, je sais tout. Ne pensez pas qu'on va vous épargner sous prétexte que vous n'êtes qu'un gamin et... un charmant jeune homme. Vous ne laissez pas garder le choix. Puisque vous prenez les choses ainsi, battons-nous. Orlando, je compte sur toi. Montre-leur ce qu'il en coûte de défier un dresseur. Ah, par contre, on s'appelle Orlando, c'est dégueulasse. Prends un de mes Pokémon avec toi. J'ai 3 Pokéballs ici. Choisis le Pokémon avec lequel tu veux faire équipe. Moi, je vais pas hésiter, donc comme vous voyez, il y a Masco, Galifeu et Flobio. Moi, je prends Galifeu obligé. C'est... je trouve que c'est plus classe après comme il vient embraser Gali. C'est super beau! Abusé! Alors, je vais vous montrer l'interface en bas. Alors, je vais changer de main. Vous voyez, donc il y a le sac, fuite et Pokémon. Dans le sac, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des trucs pour soigner? Ouais, donc on a 3 hyper potions, ok. Ah, j'ai pas vu si on avait des Pokéballs aussi. Non, ils nous en donneront peut-être plus tard si on peut capturer dedans. Il y a quoi comme attaque? Lance, lame, double pied, tranche et gonflette. Alors, sachant que Medina est un Pokémon ténèbre, on va faire un double pied. C'est vrai qu'il va bientôt évoluer, il est déjà quand même 35 le machin. Ça vous avance à rien de nous avoir vaincus. De toute façon, la team Magma a déjà récupéré les coordonnées de l'endroit où se trouve le Pokémon capable de méga évoluer. Pour un instant, plus un instant à perdre. On sait où aller. Ils ont les coordonnées. Oh, c'est le brave Pierre. Brave Pierre. Tu es venu à mon secours. Merci, merci infiniment. Mais je vous en prie, professeur, et puis je ne suis pas le seul. Le jeune Orlando qui m'accompagne a pu repousser ces bandits.
Oui, oh, c'est vrai. Merci bien, jeune Orlando. Grâce à vous deux, je suis sain et sauf et en un seul morceau. Cela dit, nous ne sommes pas sortis d'affaire. Cette team machin truc a volé les résultats de mes recherches sur la méga évolution. Et ils savent où trouver un Pokémon capable de méga évoluer. Le pauvre risque de tomber entre leurs griffes. Nous ne comptons pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Orlando, rends-moi service et aide-moi à protéger le Pokémon de ces sales types. Hâtons-nous, nous n'avons pas le temps à perdre. Le professeur m'a donné les coordonnées du Pokémon. Quand tu seras prêt à partir, viens me parler. Ben, perso, mec... Ah, il y a un commentaire... Interview... Ok, on peut voir les nouvelles qui se passent entre-temps. C'est bien. Non, mais je suis prêt, mon coco, on y va. Hein. Tu es prêt à aider à partir des Pokémon? Allons-y. Entendu, je n'attendais que ton signal. C'est super beau, franchement c'est magnifique, j'ai rien à dire. Alors le fameux Pokémon, ce serait qu'on va voir directement Groudon là? Ou Kyogre, je ne sais pas, comme c'est peut-être mélangé. Bien, la team Magma et Aqua sont sans doute dans les parages. Affaire à chercher le Pokémon. Orlando, tu peux inspecter l'endroit, ces malfrats doivent se terrer non loin d'ici. Ah, au fait... Quand on marche dans les hautes herbes, il arrive que des Pokémon sauvages nous bondissent dessus. Sois sur tes gardes. Un paracool! Trop cool! Moi, perso, j'aime bien ce Pokémon. Est-ce qu'on a récupéré des boules entre-temps? Non, en gros, on peut les faire voir. Bon, je gagne un peu d'XP, mais c'est pas... Voilà, c'est pas quelque chose d'énorme. Ah, la team Magma. C'est quoi ça? C'était pas prévu, sérieux? Personne m'a dit que la team Aqua était aussi intéressée par le Pokémon capable de méga évoluer. Et personne m'a prévenu qu'il y aurait aussi des dresseurs super balèzes, comme la gamine de tout à l'heure. Comment faire? T'as fini de te peindre? Calme-toi et sois pro, s'il te plaît. On a le bras droit, notre chef Kelvin, avec nous. Hein? Encore la team à quoi? Oh, mais ça suffit, oui! Vous n'avez pas marre de vous mettre en travers de notre route? Parce que moi, j'en ai assez. À l'attaque! Lexbot! Fallait que je la sorte celle-là. C'est vrai que les attaques combat sont pas fortes contre les attaques vol. Mais bon, comme à la base double pied, c'est une attaque double, je me suis dit peut-être que ça ferait mal, mais j'avais pas vu son niveau. J'aurais dû lancer lance-flamme, ça leur aurait fait mal. Ou tranche. C'est un taux d'attaque critique. Oh, mais ça l'a tué de toute façon. J'ai perdu! Eh bah oui, t'as perdu mon petit mec, hein? Mais ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas du jeu d'être aussi fort, pas mal pour un sale gamin. Bravo, tu as gagné le droit de te faire lessiver par un sbire d'élite de la team Magma. Fallait que ça sorte aussi, ça. Sbire de la team Magma veut se battre. En chamelot. Malédiction. Oula. Éviter du chamelot baisse beaucoup, mais son attaque augmente, ouais. Et sa défense, ok, d'accord.
Je change de main de temps en temps parce que c'est dur de tenir. Oui, vous pourrez dire pourquoi tu stabilises pas ta téléphone. C'est vrai que si je me mets comme ça et comme ça, il y a peut-être moyen. Alors, attendez, je fais peut-être une petite ellipse. Ben, les amis, non, j'ai pas réussi à stabiliser, donc on va rester comme ça pour l'instant. Alors, pardon, tu ne fais pas partie de la team à quoi? Tu l'as pour protéger les Pokémon capables de méga évoluer? Maintenant que tu le dis, la fille nous a mis la misère tout à l'heure. A dit la même chose. Eh bien, quelle star ce Pokémon! Alors, je stabilise mieux pour que vous voyez pas que ça fasse pas flou. Un peu fou là, attendez. Ah. Ah, là c'est un peu mieux, on dirait. Ouais. Qu'est-ce qui vous prend? Vous attaquez un enfant à 2 contre 1. Et vous dites adulte, vous devriez avoir honte. Et qu'est-ce que c'est que ces déguisements à votre âge? C'est quoi le problème avec notre âge et avec notre uniforme? J'arrive pas à stabiliser. Peu importe, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Rappelle-toi que la team Aqua est là pour le bien de tous les Pokémon. Alors on a le droit de respecter ni les lois, ni les hommes, ni celles du monde. Et puis mon uniforme est trop sans sas. D'ailleurs, les rainures me va bien au teint. On dirait que l'on a du mal. Et les rayures me va au bien au teint. Voilà, là on voit mieux les amis. Et puis on peut voir mon nombril. Trop stylé quoi. Oh, Orlando, qu'est-ce que tu fais là? Comment? Encore un gamin? Vous l'aurez cherché. Vous allez devoir voir pourquoi on nous surnomme les virtuoses marins. Partout où on passe. On a même des experts au combat à la régulière. Par contre, vous avez toujours votre bâtard, hein. En avant, Galifeu! Yeah! Montrons à cette bitch comment on gagne. J'ai perdu. Et on va voir le nouvel style d'évolution en vidéo. Super beau! Franchement, c'est vraiment plus joli qu'avant, ça, la classe là. Je devrais arrêter les combats à la régulière, c'est vraiment pas pour moi. Oh la honte! Si c'est ça que tu veux, je te préviens, je suis le 25e sbire le plus puissant de la team Aqua. Abandonne, tu n'as aucune chance! 25e? Ah quand même! T'es pas la première déjà! Va te coucher! Oh, Carvana, j'adore ça! Il avait peau dure? Putain, il avait peau dure. Je
J'hallucine, comment j'ai pu perdre? Bah t'es la 25ème ma grande, hein, c'est pas première. Hein. Comment vous faites pour motiver votre équipe à donner tout ce qu'ils ont comme ça? Je vais vous ajouter à ma liste de gens avec qui ne pas prendre de pincettes. Tenez-le pour... Tenez-vous pour... qui? Merci de ton aide. Oh, ton équipe a l'air fatiguée, on ne peut pas la laisser comme ça. Comment t'as su? Super, tous les bobos sont soignés. Youpi! Papa m'a demandé d'enquêter si un Pokémon qui vit sur une île. Mais quand j'ai vu des clowns, ces clowns costumés en rouge et en bleu s'y intéresser aussi, je me suis dit, Flora, il faut réagir. Attention par là, il y a des types beaucoup plus forts que ces deux zigotos. Leur chef est trop fort pour mes Pokémon et moi, on n'est pas au niveau. Mais toi, je suis sûr que tu peux le battre. Enfin, ne force pas trop, fais attention à toi aussi. En gros, ça veut dire que c'est BBC qui s'y colle. Oh, un Ramboum. Ah, là, je gagne de l'XP, là. Ça va. Ah, ouais, il y a les deux chefs, là. Hé, t'as de muscles, hors de mon chemin. C'est nous, la Team Magma, qui allons mettre ta main sur le Pokémon capable de méga évoluer. Tu rêves, mon petit pote. Avec ta tête et ton gabri de Makuhita. Comment? Est-ce une façon de parler au futur bras droit supérieur en chef de la Team Magma? Fameux Kelvin. Compare-moi à un Harirama au moins. Un peu de respect. T'as sens de l'humour. À défaut des beaux biscottos. J'aime les types qui savent me faire rigoler. C'est d'ailleurs ce qui me plaît chez mon boss. Allez, on va se taper. Envoie tes Pokémon, je vais te montrer comment je prends soin de mes clients. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Je sens que je ferais mieux d'assurer mes arrières. Je n'ai guère le choix. Je vais te montrer pourquoi on m'a nommé bras droit. Ah ouais? Allez, approche, on va voir ce que tu vaux. Qui t'es toi? Quelque chose me dit que ce mioche veut nous empêcher de mener à bien notre mission. Ce n'est pas le moment de perdre mon temps avec un tas de muscles sans servir. Allons-y, je propose une trêve. Allions-nous juste pour cette fois pour éradiquer cette vermine infantile. Je te laisse passer pour cette fois, parce que t'as raison, décidément, tu me plais, toi. Après ça, on va s'amuser tous ensemble, hein. Toi, moi, nos Pokémon. Donnons-nous à fond et on verra qui sera debout après. Tant mieux. Gamin, ça va chauffer. Allez, gamin, on va nettoyer le plancher avec tes Pokémon. Orlando? Désolé pour le retard, Orlando. Voici donc les chefs et esbires des deux teams que nous avons croisés jusque-là. Mais nous n'attendez pas à ceux qui s'allient contre un ennemi commun. Permets-moi de me battre à tes côtés. En avant toute chose, laissez-moi d'apprendre une capacité amusante à ton bras égali. Oublie gonflette et apprends rafale feu. Waouh! Et enfile ça si tu veux. Un méga bracelet. Yeah! Orlando a un méga bracelet. Je viens de te donner un méga bracelet. C'est un bijou sur lequel est sortie une pierre fascinante appelée Gemme Sésame. Elle a le pouvoir de te lier au plus intimement à tes Pokémon. Oh, j'avais oublié la tête. Et il faut aussi que ton Brazigali tienne ceci. Yeah! Ta Gemme Sésame et la méga Gemme se tient Brazigali peuvent réagir avec ton amour pour les Pokémon et déclenchent une méga évolution dans un déluge d'énergie. Parfait! Tu as même des travaux pratiques servis sur un plateau. On se prend pas pour n'importe quoi, je vois. Si vous pensez que des préparatifs de dernière minute suffiront à vaincre le bras droit du chef de la Team Magma, vous ferez le doigt dans l'œil. Vous me faites bien rigoler tous les deux. On va voir ce que vous avez dans le bide.
Par contre, Kelvin, l'admin de la team Aqua, il est beau. Mathieu. Badass, franchement. Je te parie qu'il va faire méga bolisson. Ah, mais il se fait pas chier, lui, la shiny. Putain, il fait pas chier, ah ouais. Oh, il est beau. En avant, Brazé Gali. On connaît ta méga évolution, mais ça fait plaisir de te voir. Parce que... il est super beau. Bah, je voulais attaquer tranche sur lui. Il est plus rapide que moi. Peau dure, fallait s'en douter. Quoi? C'est ce qu'on appelle perdre en beauté. Eh ouais, mes cochons. Mais comment est-ce possible? Moi, le bras droit du chef battu par un mioche et une gravure de mode décolorée. Si ça continue comme ça, je vais perdre la faveur de Maître Max. T'es fort, mon petit. J'en veux encore. Je m'en souviendrai, toi le gamin et toi la gravure de mode. Re les amis, désolé pour la petite coupure, c'est parce que j'avais plus de batterie, plus de batterie sur le téléphone, donc ça a coupé. Alors, on en était arrêté là, j'ai pas touché entre temps. Et ma vengeance sera terrible. J'ai hâte qu'on remette ça. Au revoir, petit couteau. Félicitations, Orlando, tu as déclenché une magnifique méga évolution. Pour un premier essai, c'était un coup de maître. Tu recèles une puissance sans commune mesure. J'ai hâte de voir jusqu'où tu iras. J'espère qu'au moins tu as pu apprécier la performance de mon Métallos. Son corps robuste, à la fois radieux et froid au toucher. Lorsqu'il méga évolue, sa magnificence brille de... Mais je m'égare. Qui sait, peut-être qu'un jour je te confierai ce Métallos. En attendant, nous avons réussi à chasser ces vauriens. Parlons sur le champ à la recherche de ce Pokémon capable de méga évoluer. On va y aller tout doucement. Oui, parce que de toute façon, à la base, comme je vous expliquais, je filme avec une main, donc c'est pas facile. Ramboum! Go! Brazigali! On va tenter Rafale Feu, parce qu'il y a qu'un seul, pour déconner. Ah non, merde, j'ai fait double pied. Bon, de toute façon, comme ça, c'est super efficace. On fera sur un autre Pokémon qui est pas type normal ou qui craint pas le combat. Comme ça, on sera tranquille. Là, je pense, ouais, si de toute façon il est passé par là. Ouais, de toute façon, c'est le seul chemin qu'on a. Ok. Enfin, Orlando. Le Pokémon capable de méga évoluer se cache dans ces herbes. Je suis sûr que tu as ce qu'il faut pour convaincre ce Pokémon. Je te confie ces Pokéballs, lance-en une pour, sur le Pokémon pour l'attraper. Oula, sur quoi je vais m'attendre? Ah d'accord, oui, Oniglali, d'accord. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû m'en douter un petit peu. Le fumier de bâtard. Oh, j'ai eu un coup de bol. On va pas faire des attaques combat parce que ça risque de lui faire mal.
Et on va pas faire des attaques feu parce que ça risque de le tuer. Ok, d'accord, t'es vraiment un enculé, toi, je te le dis. Bon, bah, on va faire quand même une... on va faire une petite attaque combat, je pense pas que ça tuera. Espérons. Bah, tu sais quoi, je sais ce qu'on va faire. Je pense que c'est la seule solution. Que j'ai du mal à concentrer et à filmer, c'est... Voilà. Non, non, là, tu rêves, mon grand. Allons-y, Brazegali. Enfin, méga Brazegali. Yes. Normalement, là, on peut l'attraper. Et je suis en train de me remarquer un truc. Enfin, me dire un truc. Ça se trouve, vous allez peut-être me le dire, vous allez peut-être penser à ce moment-là. Mais je parie peut-être que la capture était obligatoire. Je suis en train de me dire... Ce Pokémon a reconnu ta valeur grâce à ce combat. Bien, il semble pouvoir porter une méga gemme. Quel serait son pouvoir lorsqu'il méga évoluera? Quand je pense que tu auras la chance d'assister à cette transformation la prochaine fois que tu te battras, je t'envierai presque. Merci Pierre. Pierre Rochard. Parfait, rentrons à Algatia. Un dada sur mon Latios. Là, il commence à flûter, c'est pas normal. Merci pour tout, Orlando. Ah, voilà, le Pokémon que nous avons rencontré est loin d'être le seul dans la région du OM à pouvoir méga évoluer. Nous savons encore rien de ce processus qui pourrait même dépasser la méga évolution. La primo résurgence. C'est une autre possibilité d'évolution, c'est perdu à une époque immémoriale. Dire qu'avec Team Magma et Aqua, on en a après la primo résurgence. Le monde regorge encore d'énigmes et de merveilles qui nous sont inconnues. Je suis curieux de voir ce que tes Pokémon et toi allez découvrir et l'influence que cela aura sur vous. Comment grandiras-tu? J'ai hâte de voir ça. Mais pour l'heure, il est temps de nous séparer, Orlando. Il me tarde de revoir tes Pokémon et toi. Ah, ça a l'air d'être fini. Et vous voyez là en bas, amener dans la version complète le Onin Gladi que vous avez capturé. La démo spéciale continue. Lancez-vous dans une... Ah non, elle continue. La version démo spéciale continue. Lancez-vous dans une nouvelle aventure. Ok, d'accord. Sauvegarde. Et en plus, ça sauvegarde. Ça, c'est bien, par contre.
Nous nous retrouvons, c'est la deuxième fois, n'est-ce pas? Puisque tu as l'air de bien t'occuper des Pokémon que je t'ai confiés, j'ai décidé de t'en offrir deux autres. Tu comprends, je suis si pris par mes occupations que je n'ai guère le temps de les chérir. Prends-en soin. Si tu veux repartir à l'aventure, rien ne me ferait plus plaisir que de t'accompagner. Alors Lando, veux-tu partir à découverte de la région ou as-tu d'autres choses à faire? Vérification des cadeaux. Tu veux un conseil sur les cadeaux que tu veux envoyer dans la version complète? Le Onyglai que tu as capturé peut t'envoyer dans la version complète. Ce sera un compagnon puissant et fiable qui t'accompagnera dans ton aventure. Ah, ça c'est bien. Il y en a d'autres à mon avis qu'on va pouvoir amener. Allons-y. Les dresseurs se sont rassemblés sur une île pour suivre un entraînement spécial. Est-ce que tu voudrais bien les aider à se renforcer les liens qui les unissent à leurs Pokémon? Ah, ça c'est bien par contre. Donc pour la version, on aura le droit à un Onyglali. Qu'on aura le droit avant les autres, avant ceux qui n'auront pas joué à la démo, et d'accord. La démo a l'air de durer longtemps. Tu veux bien aider ces dresseurs à s'entraîner? Quand les regards des deux dresseurs se croisent, leur duel a déjà commencé. Ok. On y va! Onyglali! Et il a une méga évolution? Ouais. Alors vous allez voir la méga évolution, les amis. Par contre, les stats de méga évolution apparaissent juste un tour après. Donc on va lancer Abré. Ike! Onyglali! T'as au moins, on peut dire que tu ouvres ta gueule, toi. Par contre, il est rapide comme Pokémon, hein. Alors, est-ce que l'Onyglali qu'on va XP aura le niveau qu'on va s'envoyer dans la version ou il aura un niveau spécial? Ah! Tu veux te battre? Contre moi? XZ! Onyglali! Alors j'ai vu qu'on avait d'autres Pokémon. On en a 4. Allons regarder qui c'est qui nous a donné le Pierre Rochard. Pokémon. Lagron Junko. Oh, popopo. C'est trop bon. Alors, on va. Est-ce que Mega Lagron, est-ce que je pense sur lui? Lagronite. Ok. Oh, putain. Oh, l'œuf. Bataille, il m'a donné des bons Pokémon. Déplacer la passe de Onyglali. Allez, casse-toi, Onyglali. On veut voir monsieur à la grosse testostérone. Allez, vas-y, montre-moi Musclor. Ok, il y avait un Pokémon. Un Pokémon dans les hautes herbes. Je me demande qui c'était. Oh, Moussaillon, je suis un marin robuste et passionné. J'ai bravé les mers du monde entier. Ouais, mais jusqu'à maintenant. Parce que tu m'as pas croisé. Xé, Bagrom. Regarde-moi ce gros truc! Regarde-moi ce monstre!
C'est pire qu'un monstre. Mais c'est quoi ce qu'il y a dedans? Alors je sais pas si vous l'aurez testé, dites-le moi en commentaire. Oh bonjour, je suis Atalante. Alti, mon partenaire chéri et moi, on est les stars du concours Pokémon Live. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de congé depuis bien longtemps. Alors j'en profite. Bah, profite-en ma grande. Oh classe, on monte les échelles comme ça là. Oh, c'est trop badass. Oh non! J'ai jeté l'encre dans tous les ports du monde. Moi, c'est Poivre Sel, le meilleur. Allons-y, la grogne. On va essayer Hydroblast pour déconner. Je pense pas que ça tuera, à part si c'est... Je sais que c'est une attaque très puissante, mais bon. Voilà, faut pas en abuser. Ah bah oui, mais dis-toi aussi, tu fais des attaques haut contre moi. Bon là, je prends un contre-coup, c'est pas grave, mais bon, c'était pour tester, je veux tester les attaques. Même si je trouve que, à mon avis, je pense qu'elles se ressemblent. Voilà. Bravo, tous les dresseurs ont été battus. Yeah! Parfait, je suis sûr que ça les aidera à devenir meilleurs dresseurs. Bien, revenons à nos affaires. Alors je sais pas combien il y a de parties au total. Tu as fait du bon travail cette fois-ci encore, Lordo. Il est temps de nous dire adieu, mais je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Ok, je sais pas combien il y a de parties au total. Oui, mettez Onigali dans la version complète. Vous avez fini la démo spéciale deux fois. Trois nouveaux personnages sont apparus à Galtia. Qui peut-il bien être? Sauvegarde en cours. Alors, attendez. Nous nous retrouvons, c'est la troisième fois, n'est-ce pas? Si tu veux repartir à l'aventure, rien ne me ferait plus plaisir que de t'accompagner. Ouais, allons-y. Un Pokémon s'est égaré sur une île, nous devons l'aider. J'espère que je peux m'accompagner avec toi. Si j'ai bien lu ce qui m'a marqué... Un Pokémon s'est égaré sur cette île. Il faut lui venir en aide. Si tu trouves, parle-lui pour t'assurer que tout va bien. Ok. Un Eoko sauvage. Eoko ! Ça, c'est le Pokémon que j'avais pas envie de voir. Thank you.
Et bah franchement, moi pour l'instant, ce que je vous dis, c'est que la démo déboîte et que le jeu, j'ai vraiment hâte d'y jouer, je vous le dis. Malheureusement, je peux pas pouvoir faire un let's play parce que j'ai pas ce qu'il faut. Mais ça, c'est sûr que je ferai des combats contre vous si vous avez s'il faut. Oh oui, je relève le défi et fais bien attention, j'ai beaucoup d'argent. Et je m'en fous de ton pognon. Et regarde, t'as l'air dégoûté de la life, mon grand. Oh, j'adore ce Pokémon qu'il a mis. C'est un trop bon Pokémon. Non, il y a qu'un seul Pokémon, on va pas se faire chier à méga évoluer, hein. Donc, je veux dire, on va pas se faire chier à méga évoluer. Donc, bienvenue, tu as l'air balèze. Ouais. Et plus encore. Oh, tu t'appelles... Ah, c'est un Philippe le Richard. Ok, t'es un putain de richou de merde. Xé. Oniglali. Mega Shinkai. Yeah. Quel combat intense. Avec moi, il n'y a pas plus intense, ma biche. C'est quoi ça? What the fuck, c'est quoi ce Pokémon? Chut. C'est un murmure, on dirait. Chuchmure. Bravo, quel soulagement. Nous pouvons rentrer. Quoi? Non, mais c'est Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha ou c'est Pokémon... c'est Pokémon Sauvetage d'élite. La prochaine fois, ils vont nous demander de passer le balai avec un Pokémon, tu vois. Ramener à l'Akazam pour passer le balai. Ah non, ramener à l'Akazam pour vous faire le thé. Tu as fait du bon travail. Cette fois encore, Orlando. Il est temps de nous dire adieu. Ok, bon. En fait, c'est des petites séries de petites quêtes, à mon avis, qu'on aura ou de petites missions qu'on fera dans le jeu. Donc, ils nous donnent les avant-goûts, en fait. Ouais, bon, j'ai coupé, c'est normal, donc il parle encore du Oniglali. Vous avez fini la démo spéciale 3 fois. Vous pouvez aller dans le vous pourrez faire je sais pas quoi avec le Pokélien. J'ai appuyé trop rapide, j'ai pas vu, c'est pas grave de toute façon. C'est pas le plus important. Alors... Nous nous retrouvons, c'est la quatrième fois, n'est-ce pas? Pour fêter nos retrouvailles, Pierre Maman va t'offrir quelques Pokéballs. Merci Pierre! Ce cadeau peut être envoyé dans la version complète via le Pokélien. Vous ne pouvez pas l'offrir dans la version démo spéciale. Si tu veux repartir à l'aventure, rien ne me ferait plus plaisir que de t'accompagner. Eh ben vas-y, on y va mon kiki! Let's go! Oskes ma darlingo! Allez, de toute façon, hein. Oh! Moi je te dis, ça m'étonnerait pas que plus tard on a le droit d'aller chercher un Akazam pour vous faire le thé. Ce sera bientôt une femme de ménage. Liputu, ce sera notre... notre geisha. Il devrait y avoir un Balignon sur cette île. Veux-tu bien aller le chercher? On peut bien... Où peut-il bien y avoir un Balignon? Personnellement, je trouve ces endroits dégagés au milieu de d'étouffes d'herbes fort suspects. Ce serait un Balignon, alors, le Pokémon qui... qui apparaît à chaque fois qu'on voit ce petit truc. Oh, Meditica! Un Pokémon que je pouvais pas voir jusqu'à temps que je le joue Strat. Ouais, depuis que je joue Strat en version Pokémon, il y a certains Pokémon que maintenant j'aime plus que d'autres. Enfin, que j'aime plus comparé à avant.
Et Oko, t'es pas du style monsieur je fais chier le monde, non? Un d'où les sorts ? Encore tu me parles du porc de pauvre et sel, toi ? Oh, quel Florent que j'ai battu tout à l'heure ! T'es revenu, mon cochon ? Bon, après, on va mettre Junko, parce que vous allez vous dire, putain, t'as pas encore mis Junko. Après ce combat, je vais commencer à le mettre. Je vais voir qu'est-ce qu'il avait comme attaque. En gros, il a de la merde, ok. Enfin, atterrissage ? Non, c'est une bonne attaque aussi. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû méga voler, parce que je crois qu'en méga évolution, méga Onigdali, les attaques normales deviennent des attaques glace. Donc c'est peut-être pas trop bon ce que j'ai fait. Ouais, mais c'est par contre, c'est un vrai, véritable coup de boule d'Onigdali là. Ouais, la prochaine démo. Non, je vais le mettre maintenant, parce que ça se peut que si on doit capturer en même temps, comme ça je jouerai avec Junko. Déplacer Onigdali à la place. Oh, Giro. Xe, Junko. Alors Junko en méga évolution, il vient. Par contre, plante dragon, donc c'est à dire qu'il prend dégâts x4 avec des attaques glace, c'est pas trop bon ça par contre. C'est pas bon du tout. Il est très beau. Franchement, il est magnifique. Mais Junko, j'ai rien à dire. C'est. Il est trop beau. Ah, te voilà, mon gogo. Nyon ? Tu as trouvé le balignon. Tu as trouvé le balignon. Merci, rentrons maintenant. Et c'est déjà la fin? Je parie, ouais, à chaque fois qu'on rentre, je pense, ce sera la fin. Donc ça a l'air d'être une démo assez longue pour l'instant. Et pour l'instant, ça fait la quatrième partie qu'on fait là. Nous devons nous dire adieu, Orlando. Vous avez fini la version spéciale 4 fois. Un nouveau personnage est apparu, Algatia, de qui s'agit-il? Ok. Sauvegarde, partie sauvegardée. Ma gorge, pardon. Alors... Nous retrouvons, c'est la cinquième fois, n'est-ce pas? J'essaye pour que ce soit pas trop flou pour vous. Puisque nous nous sommes laissés... Nous sommes là, laisse-moi te donner un conseil. Tu peux provoquer qu'une seule méga évolution au cours d'un combat. Quel Pokémon faire méga évolution? Si tu veux repartir à l'aventure, rien ne me ferait plaisir que de t'accompagner. Ok. Bah rien... Moi, rien ne me ferait plus plaisir que la qualité soit meilleure... Qu'il arrête de se focaliser sur un zoom autre part que je. Alors Orlando, veux-tu partir à la découverte de la région?
Orlando, figure-toi que j'ai reçu une lettre de défi. Je me suis dit que tu serais à la hauteur pour le relever. Il semble que cette personne ait reconnu en toi la valeur d'un véritable dresseur. Et accepte de t'affronter. Oula. Bon, par contre, je sais pas si c'est vous ou il y a que moi qui l'ai vu. Mais à la base, ce genre de... Je sais que, je sais pas si vous êtes au courant, mais la chasse pourra servir pour aller à n'importe où et voler comme on veut sur n'importe quelle route. Ça fait penser style à la Final Fantasy sur les vaisseaux qu'on peut aller n'importe où. Si moi je suis un grand joueur de Final Fantasy, c'est pour ça. La personne qui a envoyé la lettre de duel est sûrement par ici. Sois sur tes gardes. Ce n'est pas un adversaire comme les autres. Oui, il est dans la grotte. Et un peu de logique, ma biche. J'ai entendu parler de tes exploits. Rares sont les dresseurs de ton âge qui sont parvenus à provoquer une méga évolution. J'ai longtemps vécu ici, dans cet endroit hors des sentiers battus, à m'entraîner sans relâche avec mes Pokémon. Viens nous mettre à l'épreuve avec ton équipe, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Ouh! Kynexpair. Il a 3 Pokémon. Ok, alors, un Pokémon combat. Me direz-vous. Donc le Pokémon combat, déjà c'est pas bon celui que j'ai sur moi, parce que s'il me fait des actes combat, et ben comme vous voyez, il va me token to me. Allons-y! Mega Janko! Entre en scène, ma biche! Et voilà, une petite végétaille dans ta gueule. Tu vas balancer Elidel? Ok, la grogne, normalement, il a éboulement. Et c'est ce qui est très bon pour moi. Non, mais de toute façon, tu vas bien crever là. T'es pas capable de me gagner, mon grand. Absol, il est ténèbre. C'est un Pokémon ténèbre. Donc, comment buter un Pokémon ténèbre facilement? Je fais appel à toi maintenant, mon petit Brazegali. Ok, pression. Donc, ça double les. Ça, j'utilise 2 PA par attaque. Un double pied. Deux double pieds. Oh, continue, play again. Tu as plus de puissance que je ne l'avais imaginé. Merci, c'est très gentil de ta part. Bravo, l'expert a mordu la poussière. Je lis sur ton visage que tu as remporté la victoire. Nous pouvons entrer à Algatia. Ok, donc c'était une... Là, c'était le chapitre battre... Une sorte d'expert qui a reconnu mes compétences et qui s'est dit, ok, c'est un gamin, il est quand même balèze, mais je vais faire moins de la poussière. Eh ben non, mon vieux, je t'ai mis par terre et bim, pop, pop, pop. T'as rien compris la vie. Tu as fait du bon travail cette fois encore, Orlando. Il est temps de nous dire adieu, mais je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Et si je te dis jamais? Je sais pas combien il est parti. Vous avez fini la version spéciale 5 fois. Vous pourrez envoyer un lot de soins ball via le Pokélien. Dans la version complète. N'oubliez pas les versions complètes bientôt disponibles au magasin et sur Nintendo eShop. Oh, ils font de la publicité. Oh, les vilains. Non, je déconne.
Bon, est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que nous allons nous revoir? Nous nous retrouvons, c'est la sixième fois, n'est-ce pas? Bah ouais, pour fêter nos retrouvailles, permets-moi de t'offrir ces quelques soins boules. Je les ai reçus tout à l'heure! Ah bah non, c'était parce que... Ok. Vous ne pouvez pas l'ouvrir dans cette version démo spéciale. Si tu veux repartir à l'aventure, je serai content de t'accompagner. Eh ben, moi je te dis, allons-y ma poule! Allez. Rien ne me ferait plus plaisir de t'accompagner sur... Ah bah maintenant c'est Latios! Tout à l'heure c'était Latias qu'on avait sur nous. Ah là c'est Latios! Ah c'est cool! Moi perso, je suis plutôt fan de Latios que de Latias. Il devrait y avoir un Skitty sur cette île. Veux-tu bien le chercher? Ah c'est bon, je suis pas le chien-chien, ça m'émère. Oh, en parlant de m'émère. On dit que les bons moments sont riches en agréables parfums. Bah on dit que je suis en transition, on peut dire aussi que je suis en mission. Donc laisse-moi chercher le Skitty. Bon, il va rezoomer après sur le machin. Si je reste comme ça, il va zoomer sur le jeu. Voilà, il commence à remieux zoomer déjà. On voit un peu mieux. Voilà. C'était temps qu'ils essayent de se focaliser sur le jeu que je suis en train de laisser. Les parfums laissent des regrets. Tu crois quoi? Y a pas que ça qui laisse des regrets, ma grande. Y a autre chose aussi. La perte d'un Pokémon. Wotamerin trop plus. Comme je te l'ai one-shot. Normal. C'était sa faiblesse. L'attaque glace, c'est sa faiblesse. Alors, je pense que vu le bruit, c'est un tropus qu'on peut trouver pas dans les hautes herbes. Qui faisait ce gros bruit. Je pense. Je sais pas si c'est moi. Le parfum des fleurs a un pouvoir magique qui purifie le corps et l'esprit. Je vais te laisser croire ça, ma grande. Bien, j'ai déjà tué Tropius depuis tout à l'heure. Vous êtes abonné à Tropius.com, à Tropius Magazine. Vous voulez redécorer votre maison, avoir de nouvelles fleurs et que ça soit plus joli, achetez-vous un Tropius sur Tropius Magazine. Non mais c'est bon, arrêtez, là, sérieux. Bon, c'est vrai que t'es mignonne, mais bon. Ton Tropius, il me laisse indifférent. Oh non. Oui, elle est quittée. Skitty! Non, mais pas toi. Moi, je suis pas abonné à Tropius.com. Souffle glacé, par contre, elle est très bonne comme attaque. Personnellement, j'aime bien. Franchement. Personne a vu un Skitty abandonné? Ok, donc le Skitty doit être abandonné dans les hautes herbes comme le Balignon. Ok. Faut chercher. Skitty! Mais non, mais pas toi! Est-ce que t'as la gueule d'un petit chien tout moche? Je sais pas si t'es un chien ou un chat qui Skitty. Enfin, plutôt Skitty, peut-être par rapport à Hello Kitty, je sais pas, peut-être un chat. Mais bon.
Skitty! Skitty! T'as trouvé Skitty? Ouais, en fait, c'est Pokémon Sauvetage Oméga et Alpha. Hein. Tu as trouvé le Skitty, merci, rentrons maintenant. Et c'est la fin. Il y a combien de chapitres, en fait, dans ce démo? Tu as fait du bon travail cette fois encore, Orlando. Il est temps de nous dire adieu, mais je suis sûr que nous nous reverrons bientôt.